Bonsoir, bonsoir encore à vous. C'est Linko Massa, humoriste, comédien de luxe. Je ne fais pas les histoires qu'on fait au quartier là. Je ne fais pas la télé. Je ne fais pas là pour qu'on me voit partout. Je ne fais pas les likes. Je fais ce qui est bien. Et quand ce qui est bien, bien, ce sera bien éternellement. Ce qui est bien fait demeure à jamais. Alors, comme toujours, je sais pas, je suis... on peut dire ça comment? Je dénonce le tard pour que jamais il ne soit tard. Aujourd'hui, je viens avec un sujet très très important. Parce que quand quelque chose me touche, quand ça me touche là, dans le cœur c'est ici, ici, quand ça me touche ici là, ça me touche sérieusement. Et il y a un phénomène très récurrent ici d'ailleurs et répandu. C'est répandu comme, je sais pas, vous pouvez pas me dire, parce qu'aujourd'hui, je sais pas, les femmes sont devenues des filles, je sais même pas où c'est la République bananière, où c'est la République macaboya, moi je sais pas, je sais vraiment pas. Il est inadmissible que tu croises une fille. Tu vas te mettre en couple avec elle. Tout va bien. Tout va bien. Mais le premier soir que vous sortez, le premier rendez-vous, quand tu dis ma chérie, prends ce que tu manges, elle prend le poisson de 2000. Il faut me dire non. Parce qu'on cause, parlons sérieusement. Au premier rendez-vous, une fille te dit qu'elle veut manger le poisson. Et c'est pour 2000 qu'elle commande. Tu commandes la Mayan pour boire, elle commande la Grande Guinness. Et avec ça, vous pouvez acheter le terrain. Vous pouvez acheter quel terrain? Vous ne pouvez pas acheter le terrain. Et c'est la vie d'aujourd'hui, à l'époque de nos parents, c'était que tu tamponnes une femme, achète-lui un billet malade de 100 francs, l'affaire est jouée. Donne-lui, je ne sais pas, donne-lui un petit truc et puis c'est symbolique. Aujourd'hui, le symbole s'est transformé en argent. Tu veux dire bonjour à une fille, elle te dit tu as regardé ma tête. Quand tu vas me dire nada, ça te plaît comme ça. Tu peux aussi me voir comme le fils de Dior là. Maintenant, l'amour s'est transformé en argent. Alors, le débat pareil nécessite, c'est pas l'accompagnement. C'est pour cela donc que j'ai réservé un invité spécial. Un invité spécial qui viendra répondre à mes questions par rapport à ce que moi j'ai dit là. Parce que c'est vrai, je fais rire, mais je dénonce l'état. Pour être sûr que ce que je dis est vrai. Je vais appeler mon invité ici. Parce que moi, je ne suis pas présentateur, je suis comédien. Je vais donc appeler mon invité qui va venir. Viens donc. Qu'est-ce qu'il va appeler mon invité? Toi aussi, tu viens faire comme les grandes chaînes de télé. Voilà. Elle est charmante, souriante. Elle ne fait pas le jansan. À part le front comme Rihanna, c'est aussi... Elle a un grand potentiel. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à notre chaîne de télé. Merci. Question de temps TV. Et comment vous vous appelez déjà? Angouadjane Mélène. Moi, je n'ai rien suivi. Angouadjane Mélène. Angouadjane Mélène. Voilà. Bon, je ne vais pas trop m'intéresser à votre nom, parce que ce n'est pas le nom qui nous blase par moment. C'est quand vous marchez, on vous regarde, c'est ça qui nous attire. Bon, le nom, c'est juste quand vous allez vous doter. Bon, et vous avez écouté mon speech tout à l'heure, là, n'est-ce pas? Oui. J'avais un débat. Un débat vraiment très, très intéressant. Vous l'avez suivi? Vous avez suivi? J'ai suivi, mais pas... Pas trop, tu faisais alors... Bon, on t'a invité si vous venez faire quoi. Quand on t'invite, même si tu es dans les coulisses, tout ce que j'ai dit, tu dois garder. Parce qu'elle va te poser les questions. Si tu ne réponds pas, moi, elle va te shiba. Il n'y a pas de souci. N'est-ce pas? Mm-hmm. Bon, est-ce que tu es d'accord pour les filles qui, au premier rendez-vous, manger pour 2000? En fait, 2000, c'est même trop petit. Hein? Quoi? Trop petit. Prochainement, quand elle veut les inviter, trouvez-moi les invités qui sont une invitée normale. Quand elle invite mon invité, elle me dit que 2000 c'est petit, donc pour elle, on en met 4000. Au moins, c'est même 10 000. Au premier rendez-vous, mm-hmm. Tu ne viens plus ici. Tu ne viens plus ici là. Prochainement, quand elle veut faire mon émission, si quelqu'un vient dire ce que je ne veux pas, ne l'invitez plus. Il est inadmissible qu'au premier rendez-vous, qu'elle dise que 10 000 même c'est petit. Donc, si elle te donne 10 000 au premier rendez-vous, mange, tu vas manger l'argent là. Mais bien sûr, je vais manger même avec appétit. J'emballe même le reste et pas avec. C'est intéressant. Non, c'est intéressant. Là, je comprends seulement. On ne t'a pas choisi par hasard. Donc, comme tu as donné le thème au départ de l'émission, on t'a seulement pris pour venir finir avec moi. Bon, si tu penses donc que c'est d'accord pour une fille de faire ça, et est-ce qu'en le faisant, l'homme te considère? Bon, ça dépend. Bref, ça dépend de la manière.
Parfois, au début, il faut montrer vraiment tes habitudes, tes bon, ton bon côté et ton mauvais côté. C'est là où l'homme apprend aussi à connaître sa femme, celle dont il va épouser. C'est donc pour ça que vous êtes célibataire jusqu'à 40 ans. Si tu ne savais donc pas ça, alors ça. Parce que si tu me tamponnes quelqu'un comme moi, je t'invite au premier rendez-vous, tu m'as 3000, 4000. Quand tu vas repasser, j'efface ton numéro simplement et proprement. On est d'accord? En fait, je peux aussi manger 4000 là parce que peut-être que je me dis d'abord que c'est le début. Vous les hommes, parfois vous êtes chiches. Hein? On ramasse au sol. C'est vous qui dites partout émancipation, égalité des sexes. Quand je te donne 4000, tu me donnes aussi 4000. Sauf que nous, on vous donne, vous ne nous donnez jamais. Bon, où est l'égalité des sexes? Est-ce que Jessica et Ondavo ont la même forme? Non, pas la même forme. Pourquoi donc vous voulez dire égalité des sexes dans les histoires pareilles? Si on te demande de donner un conseil aux femmes, aux filles, à la jeunesse qui te regarde, qu'est-ce que tu vas dire en regardant la caméra? En fait, je veux, donc, le conseil que je peux donner, c'est que... Par rapport à notre débat, hein, ne changez pas la bouche. Je sais. Dis ce que tu disais. Que nous, les femmes, vraiment, c'est vrai que j'ai dit 10 000, mais c'était juste pour aussi animer la galerie. Bon, être quand même naturel et simple, montrer vraiment sa vraie nature, ne pas se cacher. Si tu vois que tu peux manger 20 000, mange. Si tu vois que tu peux manger 4 000, tu manges. Dans le reste là, c'est l'homme qui va aussi s'en occuper, quoi. L'homme va s'en occuper. Uh-huh. Est-ce que si par hasard, l'homme te demande aussi 10 000, tu peux lui donner les 10 000 là? Ah, bien sûr. D'accord. Si j'ai, je vais donner. D'accord. Ça veut dire que vous êtes une fille de bonne moralité. Ah oui. Ok. Merci d'être passé à mon émission Affaires sociales parce que je débat sur tous les problèmes de la société. Et même si tu as quelque chose du genre, IB, tu m'écris et puis ensemble, nous allons débattre avec ceux qui sont à la maison. Alors, dis bonsoir à deux ou trois personnes. Je vais dire bonsoir à ma mère, à ma soeur. Ta mère s'appelle comment? À ma mère Angèle, à ma soeur Dolly. Ta mère s'appelle Angèle? Oui, Ambok Angèle. Ambok Angèle. Uh-huh. À qui d'autre? À ma soeur Anko Margot. Oui. Et à tous les spectateurs. En fait. Voilà, des questions de temps, télévision. Invite-la à s'abonner massivement. Je vous invite à vous abonner, à liker au maximum et... Partager, aimer vraiment notre chaîne, encourager nous jusqu'à la gare. Merci. Voilà, alors bonne soirée. Merci, bonne soirée. Et bonne nuit si vous comptez dormir, parce qu'on vous connaît. C'était le comédien de luxe Lincoln Massa dans notre émission Affaires sociales. À la prochaine et merci à la réalisation.